Ne prend coup, j'ai couru de l'eau. Dans le moment où on a parlé à la, on dans la KPM Ariel Henry dans Vivi Michel, Serel. Oui, Poucho! Qui ça devrait faire, Poucho? On a posé cette question, qui est-ce qui Poucho? Eh bien, mesdames et messieurs, nous mettons traité là, nous prenons plus de détails. Parce que le gouvernement Ariel Henry a pensé qu'il y a une machine qui compte faire viande moulée capable de produire caviar. Parce que depuis 21 mois, Ariel Henry a une machine qui produit viande moulée dans le mais qui s'est chuté à faire la promette peuple là, petit caviar. Pas même mettre banane, c'est du vin, ménage à trois. C'est ça que Ariel Henry a proposé peuple là pendant que bon côté là, bidon de l'eau sucrée. Nous mettons calme nous, nous prenons le connaître qui ça qui passe exactement en dans la KPM Ariel Henry qui la cause, je ne jodi à la Serel Kay Makorel. Mesdames et messieurs, m'adjam pense que pouvoir te gagne toute puissance ça dans le pays d'Haïti. M'adjam pense que le fait ou capable de venir président yon pays, te capable de mettre toute ambition ça à la kay yon moun. Mouvement troisième voie sorti dans sentier battu. Je vous dis à la, mesdames et messieurs, alors que gouvernement Ariel Henry a nos processus élection, mouvement troisième voie vient plaindre pour problème insécurité. Insécurité qui a crasé le pays d'Haïti. Mais 21 mois déjà, qui côté nous teye exactement? Ensemble, m'bral fort tende, qui sati monsieur Damio même, yo vin raconter. Nan miko la presse. Clarence Renoir débarqué, tout chaud, tout bouquet, et puis il chita. Il déclare, côté élection ça, m'rete quoi si on poisson d'avril en retard, que gouvernement Ariel Henry a banou. Question élection ça, li pa lot que yon belof. Nous prenons le temps de déclaration, Clarence Renoir, mesdames et messieurs, rete là, chita ton. Eh bien, bagayo compliqué, oui. Bagayo compliqué, mesdames et messieurs. Edwin Tonton, qui est directrice générale, caisse assistance sociale, gagne une interdiction de départ contre lui. Après un rapport ULCC t'a arrivé, mettez dehors, et que Edwin Tonton t'a contesté, juge Jean-Wilner Morin prend décision. Elle gagne de l'autre monde qui accompagne. Nous prenons qui est sur nous prenons pour qui ça exactement. Edwin Toto lui-même, li pas capable de quitter pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, puis devant nous gagne gros déblosay qui pété dans le paquet. Maître Ambroise dénonce corruption qui gagne en dans paquet dans mitan jijo, alors que avocat yo pas ka vivre correctement. Avocat yo pas capable de travailler. Les mdouz, les pays d'Haïti a son côté bagayo difficile, kone bagayo difficile, tout bon vrai. Par bon côté parle, PM Ariel Henry participe dans une cérémonie dans que le ministère de Santé publique et population a organisé hier 14 avril 2023 a fait plus capable de célébrer la Journée mondiale de la santé qui passe depuis 7 avril 2023 et profiter remettre quelques certificats ensemble avec une série de médecins ensemble. Nous pourrons suivre le déroulement de la cérémonie. Coucou tout le monde, bienvenue ou sous TAC 509, tout haïtien connecté, non pas, c'est Fabiola Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité yon moun nan entourage ou rete connecté à TAC 509 pour capable toujours gagner bon information. Jeudi à ce samedi 15 avril 2023. Pas oublier, c'est week-end. Ça qui veut dire, si vous conduit pas boire, si vous boire pas conduit, week-end ça belle, mais l'autre week-end a pi belle toujours. Et me garantis, si pas prendre responsabilité dans le pays d'Haïti, bagaille capable. Puis compliqué pour vous toujours. Crier pété la caille PM Ariel Henry. Pendant ma passe Vivi Michel, m'de nombre qui a fini, puis mal passé tonade France LBA. Oui, nous pas capable. Ah, moi, qui j'en bral fait. Oui, quand j'en bral jouni. Mes amis, aidez-moi. Ariel Henry, aidez-moi. Moi, m'kampé, ma prensam pour m'tende qui kote bruit ça, lui-même, li parti.
L'aime poche oreille moins bien, moi c'est en dans la KPM non. M'di oh, ça qui passe la KPM. Hey, hey. Mesdames et messieurs, nous pas mandé compte, c'est moi-même qui viens chita raconter nous. En dans la KPM non, yo kidnappé un moun. Hey. Et nous konn ki yes yo kidnappé pour PM non. Yo kidnappé bofre PM non. Bofre PM non. Qui c'est frère madame Patrick qui c'est administratrice télé nationale l'aime te dit nous j'ai prend coup ne courir de là nous te comprendre c'est menti et ben bon on a parlé à la famille de rando dans la rime a crier les amrey passi et par là qui côté yo pral joindre cob pour yo capable faire libérer Pouchon et nous connait qui j'ai kidnappé Pouchon. Yo kidnappé Pouchon en dans yon l'église. En dans yon l'église, yo kidnappé Pouchon. Donc, question, li difficile en Haïti. Et me rappelem là, avant yè, Ariel Henry lance yon programme alimentaire pour apaisement social, kap koute 21 milliards 600 millions de gourdes. Pinga Ariel al pren kòb sa papa, pour la faire libérer bon frère. Après, so attendez, le pou programme lancé, pas de l'argent pour programme na avancé. Ou de programme qui fait sous 6 mois. Yo kidnappé moun la kayou. Pas de cop pour yon libérer. Seulement PM, pas le caisse l'État. Pour al pren million, pour al payer Zak kidnapping. Parce que Zak kidnapping sa ki la, ou konel, ou kopren ni. Et l'arrivé. Pour capable stopper ou ap stopper parce que ou pral besoin la paix ak sécurité en da pays ya. C'est ça qui fait que me dit nous Ariel Henry go machine vient mouler dans mail la promet peuple la caviar qui côté exactement ou pral jeune caviar pour capable bay peuple si là yo peuple leur fait promesse qui pas jamais lié même s'il pas dit rien parce qu'elle l'a prévendiqué tout bon vrai. Donc la kidnapping nan kounya là rive en dans la caillou qui sopra le fait. Est-ce que si on prend Ariel Henry fait, a fait pour le capable montrer que l'insécurité a frappé tout côté? Est-ce que si on prend Ariel Henry fait, a fait pour le capable croire l'insécurité en dans le pays comme quoi yon ta kidnappé yon membre de la famille? Ou du moins, c'est tout bon vrai, mes amis, yon kidnappé monsieur ya. Yon levé monsieur ya. Donc, qui ça Ariel Henry pral fait? Qui ça famille pral fait? Puisque yon geta plenye, yon pa gen yon goud pou yon paye Zak kidnapping. Lò wè nan la ria la, yon le von ti machan sosis, yon kidnapel. Yon kidnapel? Yon mandel 20,000 dollars américains, 40,000 dollars américains, 50,000 dollars américains. Madame nan achete yon sachet sosis pour 250 dollars. L'acheter 20 dollars charbon. L'acheter yon ti boîte sauce tomate pour 200 goud. L'acheter ti mayonnaise pour 200 goud. L'acheter ti tabasco luisania pour 125 goud. L'acheter 10 dollars oignon, li fon ni ti piti ti piti. L'acheter ti piment. L'acheter yon ti tomate. L'acheter yon ti baye ki capable mette goût nan saucisse la. Dim ki quantité l'argent. Madame sa pral rentre nan yon journée. Ou du moins, dim ki kantite l'argent li pral rentre nan deux heures temps, li kampe devant la ria, pa même gen yon chè ki passe bon kote l, pou mandel ki sa wa vann la, pou machan don bagay nan mel. Ou pren le kit d'appel, ou mandel 20, 30 000, 50 000 dollars américains, l'argent madame nan, pa même kone si lap jam mwa nan la ville. Ou vini, ou kit d'appel yon timoun l'école ki gagne 7 l'année. Ou exige parole, yon somme que yon pa même kontande. Ki sa, et puis gouvernement chita la, pa ge sécurité kap bay. Pa ge anye kap raconte. Au commandement de la police la, rete bien sérieux. Et m'vle nous comprendre que le m'a parlé de au commandement de la police la, m'a parlé spécifiquement de Ariel Henry, qui se chef la police la. Donc, elbe pa ka fanye, se Ariel Henry pa au courant. Si vous planification qu'a fait, LB après les Ariel, l'a dit PM mais ça gagné. Mais ça gagné ou ce chef CSPN non qui ça n'a fait. Comment nous pral mener opération ça? Qui je pour nous débarquer? Qui côté pour nous aller?
Donc Ariel Henry gagne grande responsabilité dans ça qui a passé actuellement là. Le chita ou orchestré yon soi-disant opération tornade qui pa même souffler yon bon tivan alors que policier yon ap tombe en baba el bandi. Tout joune se si parti wap voye baye fami qui sauve di peuple là exactement. Pendant que yon ap marche avec 17 gilets par balle sou ou qui sauve di peuple là fait exactement. Donc la insécurité a commencé à rentrer en. Et bah pas tout le frappe non? Il rentre en dans la caillou qu'on a dit qu'il soit prêt à le faire. Dit qu'il soit prêt à le faire pour croiper insécurité à qu'on a là. Et Ariel nous connaît, c'est un type qui vraiment intelligent qui existait. Et Ariel Henry, qui est ministère intérieur à collectivité territoriale, nan mel, ministère ça qui responsable tout ça qui a passé à l'interne de pays. Sorti dans jour dormi pour arriver jour réveillé. Sorti dans point chevaux pour arriver dans 20 orteils. Ministère a supposé gagner contrôle toute bagaille. Ariel PM, Ariel chef gouvernement, Ariel président, Ariel ministre intérieur à collectivité territoriale, Ariel ministre affaires sociales. Donc dim, non mais qui yas responsabilité sa yo e exactement. Parce que je jodi a la, parler de élection, nan pays sa, kote yon dollar américain vaut 154 gourdes nan banque centrale, c'est grave. Parler de élection, nan pays sa, côté parents pas ka mené ti moun ni l'école correctement. Impossible. Donc là Ariel Henry continue mesdames et messieurs à faire promesse si pas capable kembe. Mais ce gouvernement qui vraiment gen une expertise en mensonge, yon expertise en promesse. Et nous konn sa ki tiye nan histoire. Nous konn sa ki pidu nan l'histoire. C'est que Jovenel Moïse, yon pas de jam konn pran tan pou te tande l. Jovenel Moïse qui te décide li di bon parler ak peuple la, bon raconter peuple la ki sa m'ap subi nan administration, bon raconter peuple la, l'aime te di tire ça c'est pour l'ilte ya, mais ki sa m'te ve di, gon paquet nèg ki kampe, gwo gagan, kou yo ata di one cochon, oh oui non, kampe de barricade nous, c'est li ka vini nous, pa gen opposition, non pa ki bagay sa avec Jovenel Moïse, pa ki bagay sa avec Jovenel Moïse. Malere malere es pa nan fête. 18 novembre, ça braille mauvais en pile! Ça qui passe, Jovenel Moïse mourit à 18 novembre. Le gardien au gouvernement, tant que ça, Ariel Henry a dirigé à mesdames et messieurs. Kote en bas, j'ai moun sa yo. Parce que yo en deux gouvernement, yo en deux pouvoir. En bas, j'ai yo, yo est Ariel Henry pas pregagné. Pas ge un moun qui vle revendiqué. Pas ge un moun qui vle revendiqué. Donc, mesdames et messieurs, bagay yo compliqué. Parce que à n'importe moment donné, mdou, go kachaboumbe ka voye nan pays ya. Et l'el voye la voye à flot. Moun ou pas posé à bade ensemble avec kachasa. Rete tan pou noue. Parce que en dans la KPM Ariel Henry, bagay yo se tête chargé. Nan moment n'a parlé à la PM nan ki marche fait discours tout côté depuis le commencement semaine nan a réfléchi est-ce que oui ou non li supposé maye kob sa li fait clan ses programmes alimentaires ça ensemble avec lui a fait pour li capable gérer situation la kali en dans Vivi Michel. Politique en Haïti fait chien danser. Politique en Haïti réveillé mort. Parce que si moi politique ça, je ne jodi à la question élection ça, capable réveiller ti monsieur MTV Haïti yo, connaît que politique la red tout bon vrai. Politique la gen yon ti médicament la donne qui capable aider moun réveiller, li leve mort. Jean te zombifié MTV. Mesdames et messieurs, sans pas trop parler en pile, on va commencer à tendre déclaration qui t'est faite dans conférence de presse là. Mais monsieur Damio, Géodas tout bon vrai. Dans moment côté que insécurité alimentaire là la fait rage. L'inflation bat son plein. Entreprise yo a forcé fermer. Y a renoncé à activité yo parce que situation pas permettre. Tandis que institution enseignement supérieur yo
l'école, l'hôpital, l'autre structure de santé, yo, y a fermé les portes yo, au fur et à mesure. Je dis à MTV dit non. MTV dit non. Comment pour MTV dit non? Quand MTV te yé? Eh? Quand MTV te yé? 21 mois n'a mangé raquette dans yon pays. Quand Reginald Boulos te yé? Quand MTV te yé? Comme quoi, attendez le jour, il retire tête li dans la présidence MTV, Gouba Katpoun qui kouel. C'est des gens vrais. Parce que Reginald Boulos continue à diriger MTV. Donc, il retire quoi? C'est pour normalement, il réfléchit avec tactique qu'il peut utiliser pour le voyer le candidat à la présidence. Parce que Reginald Boulos n'a pas gagné audace pour le capable de paraître comme président du pays d'Haïti. Donc, c'est Kounia là, après 21 mois, MTV ouais gen insécurité. C'est Kounia là, après 21 mois, nous ouais institutions étatiques pas fonctionné. Nous ouais institutions professionnelles pas fonctionné. Mais non! Non, nous gen courage, oui. Nous gen courage. Situation ça, pas qu'à continuer. MTV vle marié voile avec 2 millions de compatriotes nous qui souffrir chaque jour. Pour nous dire gouvernement, on peut lancer aujourd'hui un message clair. Non, nous pas quoi le mariage ici. Nous pas quoi le mariage ici. L'union, ça nous pas la donne. Non, marié avec opposition encore. Et nous pas quoi nous courir là. Non, pas besoin de marier avec peuple là. Parce que peuple pas courage pour marier avec opposition encore. Merci. Nous si un divorce. Non, peuple a signé divorce à composition. Ou a besoin de ranger au frère. M'a quitté comme mariage là, ou a réglé notre bagarre avec. Mais ou a besoin de ni voir ou ni marier voir avec peuple même. Nous sommes capables. À pouvoir ça. Soit nous assumons responsabilité nous. Dans le cas difficile ça. Dans le moment exceptionnel ça, populaire. Haïti a connu aujourd'hui dans l'histoire. Ou du moins, nous remettons Cléa. Et classe politique là, société civile organisée là, tout reste pays à force vivre pays là, n'a qu'on est dégagé un consensus ensemble pour nous connaître qui direction que nous abaille par pays là. Et moi crois que y a évité à pays là qu'on est des heures sont encore. Ouh, calme chouchou, discours pas écrit, prends son pour lui non boubou. Ça gon pressé comme ça. Société civile organisée. En pays d'Haïti, une société civile organisée. Bon m'adresse là, non. Bon m'adresse là, parce que m'beze konne ki kote map jouen. Société civile organisée ça. Consensus. Kounye la nou beze consensus. Alors que Jovenel Moïse, c'est presque lambé en bas plat pied nous pour un petit dialogue, pour nous capable chita parler. Alors que Jovenel Moïse te paré pour céder plus de 80% de son pouvoir, juste pour être capable d'aider les peuples haïtiens sortir dans sa lia, nous dit même pas, nous pas dans Jovenel Moïse, nous pas la Jovenel Moïse, nous pas besoin de Jovenel Moïse. Je dis à la, nous parlons de consensus. Je dis à la, nous parlons de société civile organisée. Nous parlons de forces vives de la nation. Quelles sont les forces vives de la nation? Où se trouvent les forces vives de la nation? Parce que dans le moment où on a parlé là, on a cherché force dans le pays d'Haïti, nous pas joué ni. Qui donc audace ça que nous gagnons? Nous avons mis qu'on est tout bon vrai quand nous débarquons à l'acheter. Parce que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de grâce. Oh! Oh, c'est comme ça? Les forces vives, société civile organisée, consensus. Consensus nous besoin. Oh wow. Des années, des mois, des semaines et des jours, côté que c'est avenir, en bonne jeune garçon, jeune femme, que nous avons continué à hypothéquer. Je rappelle pour tout le monde que MTV est un parti démocratique. D'ailleurs, en deux parties à même, son ambiance démocratique qui régne. 21 mois. Non, t'as le. T'as le. Ah bon? Bak. Pays a gen bak. Parce que m senti gon camion qui rentre dans bak pays a la, li krasé tout 20 bak pays a. Ou ba yé ki sa encore frère? Hypothéqué avenir jeunesse la. Donc c'est jodi a la. 14 avril,
Non, je dis à 15, oui. 15 avril, nous remarquons que yon hypothèque avenir jeunesse là. Pas vrai? Ah bon? Donc, pour mon yoshita, monsieur, yon écrit en qualité discours comme ça. Mieux vaut nous rester en silence. Nous te commencé à faire silence. Que nous te continuer à faire silence? Parce que bagay ça, on a raconté dans un moun là. Adieu. Qui croit que le peuple là, c'est sous toute légitimité politique et que en état de droit, l'Ichita, sous respect la loi, respect normio, respect constitution. Je dis, face à l'urgence qui gagne pour nous rétablir au niveau acceptable de sécurité dans le pays, restaurer l'ordre démocratique, faciliter un retour au fonctionnement normal de différentes composantes dans la société haïtienne, MTV a proposé. Premièrement, pour nous créer une structure stratégique de conseil, d'évaluation et de consultation qui composait d'anciens hauts cadres dans le PNH, anciens ministres qui étaient dans le CSPN, l'autre spécialiste dans la question sécurité. Cette structure apportera sa contribution patriotique pour l'élaboration en urgence d'un plan de sécurité. Conseil ça, il est capable de jouer un rôle important tout dans le déroulement de tout sommet ou assise sous sécurité qui est capable de faire dans le pays. Deuxièmement, et c'est ça MTV a demandé depuis 2019, pour nous lancer le programme de vertine au sein de la police nationale, là, avec appui technique, experts nationaux et internationaux. Processus ça, il doit tenir compte de besoins pressants pour nous rétablir sécurité sur tout territoire national. Là. Troisièmement, MTV propose qu'on recherche auprès des partenaires internationaux les moyens logistiques adéquats et suffisants pour nous mettre le plan ça en application. Quatrièmement, former en urgence avec le soutien technique de vrais partenaires de la PNH un corps destiné uniquement à démanteler les réseaux de kidnappeurs et d'autres réseaux de délinquants à col blanc. Rendre fonctionnel DDR là, démobilisation, désarmement et réinsertion. Cinquièmement, et pour finir, engager une réforme judiciaire et un renforcement considérable des structures pénitentiaires par la mobilisation des ressources nécessaires. Sixièmement, créer, yes, s'il vous plaît, créer, en attendant que nous mettions en place un service d'intelligence nationale réel, et un système de coordination qui a facilité échange et efficacité en différents services renseignement qui gagnent dans le pays. Pour la sécurité, nous mettons juste passer prendre la meilleure la tortue dans l'Antibonite, les qui t'a gagné la main. Nous besoin mettre un service intelligence réel, pas vrai? Pas Jovenel Moïse a salté la même. Ça nous pas de vieux Jovenel Moïse mettre sous pied à salté même. Pas là c'est un service intelligence inégaré. Parce que m'pas capable comprendre. D'ailleurs, on dit c'est pour partir pour 6 on finit à 5 non nous gagne 6e. OK, pas de problème, nous tenir 6e. M'pas capable comprendre pour un peuple ta gagne mauvaise foi tant kou nou. M'pas capable comprendre pour même nous même nan, c'est nous encore k'ap marcher sous tête ça qui pas capable yo, ça qui pas gagne voix yo, ça qui pas capable faire des voix ça qui pas capable marcher yo, ça qui handicapé yo. Non, m'pas rete quoi, c'est même nous même nan encore qui a kaba propre citoyen qui a vivre même côté avec nous, propre compatriote nous et des fois même propre famille nous. Non, m'pas rete quoi yo bagay comme ça. Pour ta si mauvaise foi comme ça dans un pays. Monsieur, m'pa défendre Jovenel Moïse, m'toujours dit nous ça, m'pa jamais défendre Jovenel Moïse.
Mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. M'a toujours rappelé nous, dans le commencement mandat, Jovenel Moïse a mis le tap servi. Reginald Boulas Teremel, Dimitri Fab Teremel, Sharif Abdallah Teremel, Renault Dib Teremel, Martelly Teremel, parce que Jovenel Moïse était un mouton. Jovenel Moïse était un mouton. Immédiatement qu'il a voulu se convertir en loup, s'entendait à là, tout le monde revendiquait, homme et loi, voulait manger brebis, alors que Jovenel Moïse pas de katouille mouche. Le Jovenel Moïse, ouais vrai, question mouton, katouille reste brebis, il dit, femme capable de changer forme, li changer forme. Yo dit le trahi, yo dit pas de respect. Yo dit c'est moi qui t'ai mené campagne pour vous, c'est moi qui t'ai payé pour vous. Jovenel Moïse te vle par la peuple là. Jovenel Moïse te vle communiquer ensemble avec peuple là. Mais qui ça ne te fait? Nous dit non, nous pas jamais cadavre pour nous cohabiter avec Jovenel Moïse. Nous dit non, question à vin parler de élection avec Jovenel Moïse, nous pas la donne. Nous dit non, question constitution, référendum, nous pas la donne. Question service intelligence, nous pas la donne. Question cadre démologue, nous pas la donne. Je l'ai déjà dit à la, qui s'en a proposé, n'a proposé même solution. Jovenel Moïse te porté par nous sur un plateau d'argent. Nous pas t'accepter. Mais nous, nous n'avons moun. Nous n'avons moun. Parce que élection, c'est green bagay qui a fait un vrai visage quelque moun dans nos pays. Dat tout chita là. Nous pas paniquer. Y'a kidnappé, nous pas paniquer. Y'a assassiné, nous pas paniquer. Bandi a fait show off, nous pas paniquer. Pired. Y'a pas de konin. Kounya y'a konin. Nous prenons élection. Nous même j'ai participé dans l'élection. Oui, quand nous avons sorti, nous pas arrêté pour dire, oh, ça passe là. Oh, regardez, dans l'élection, oui. Eh, ou quoi nous avons fait une élection avec Ariel Henry. Mais nous sommes nous. Non, nous sommes nous. Parce que nous n'avons jamais de cérémonie de courage, de trip pourri tant que nous même dans l'opposition. 3 ans. 3 ans de manifestation. 3 ans de pays loc. 3 ans côté pays d'Haïti lui-même. Économie chute. Mais je vous dis là, nous avons 50% d'inflation. 3 ans sans production. 3 ans, mesdames et messieurs. Nous pas qu'à dormir dans un pays en paix. Parce que nous avons décidé, barricade là, c'est lui qui a vu le peuple là. Et le peuple lui-même, il a accepté l'idéologie à nous. Mais nous venons. Nous disons pas besoin. Bon, l'argent. Bon, on va vendre nous encore. On fait nous cadeau idéologie. Alors que c'était pour voir nous te besoin prendre. André Michel l'a dit. Oui. Me rappelle André Michel répétait dernièrement là. Sous Magic 9, André Michel déclarait plus yo te gagnant, c'était plus yo te capable prendre pouvoir là. Peuple pas te comprendre. Peuple pas te connaître. Je dis à la, nous venons prendre pause, gros collier nous, col blanc, côté col blanc nous, côté nous, je ne col blanc ça. Voyagez nous, nous col nous, on a point, les gros paquets marquent la bouche, senti la donne. Réveillez-nous, parce que pays ça, n'a pas imaginé à la, il n'y pas existé. Non, Haïti ça, pas existé. Mesdames et messieurs, sur même lancée élection, Clarence Renoir déclarait que peut-être question conseil électoral provisoire ça capable, c'est un poisson d'avril en retard. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, entendez des déclarations Clarence Renoir. Et élection après. Donc toujours dit à là, nous pensons que pas rien de sérieux dans la démarche ça et qui que le ministre en problème là. Nous connaissons une initiative qui t'apprend pour te mettre tout acteur chita sous même table. Là, je vais faire référence notamment avec l'initiative parole là. Côté. Ok, chita discuté. Nous sommes là qui jusqu'à présent bloqué et pour parler ça. Pour parler, t'es très avancé. T'es gagné même date qui t'es retenue comme nous t'es connu en ligne. N'en fais moi de master pour que tout le monde t'ait rencontré, chita, discuté, parler. Là, et cherche. Allô? Je trouve que c'est équipe 21 décembre là qui,
pas décidé de continuer le dialogue. Non, dire pas retourner là-dedans. Ou dire pas décidé de continuer le dialogue là pour qui ça? Ah, je ne sais pas pour qui ça. C'est que il y a des réunions, ou au bout de toutes réunions, il n'y a pas jamais de nader. Vous connaissez des démarches qui faites auprès du Premier ministre même. Et qui te promettent que la brouille ont l'autre délégation, mais jusqu'à présent, rien n'est pas jamais fait. Et nous ne connaissons pas si demain après retourner. Nous ne connaissons pas si on l'autre rencontre si Abin Ladani. Mais rencontre qui dégage pour être faite là, c'est eux-mêmes, c'est absence qui fait que nous sommes capables de gagner. Soit ou tard, je ne vais pas parler d'échec parce que nous sommes positifs, parce que nous pensons que le dialogue est indispensable. Il faut insister pour qu'arrive un dialogue dans le pays. Ça. Mais il se trouve que handicap à démarche pour parler que tu as gagné avec Jonathan Powell, là, c'est et Moun, à représentant à COP21 décembre, qui boudait dernier réunion, qui fait que tu as avancé. Et ça, Ariel Henry. Mais Ariel Henry, quand j'ai le pays, nous avons Ariel Henry qui a fait causer par bon ici. Toute réunion, toute rencontre, il boudait tout. Mais que j'en. Adieu. Merci, Mateli. Merci, papa, ma. Merci, bon dit les gars là. Merci. Il y a des marches qui t'a fait auprès du premier ministre pour te désigner d'autres groupes. L'autre monde. Il y a un dialogue, mais le dialogue d'arrivée, il n'y a pas d'accord, il y a toujours posé des problèmes. Et effectivement, le premier ministre a été touché de ça par un facilitateur là. Et il était promet qu'il va chercher l'autre représentant. Mais jusqu'à côté, il va parler avec Otagon Mouadza, il va chercher le représentant pour le désigner. En tout cas, il va au courant de lui-même. C'est ça que l'on dit. Nous pensons que peut-être un peu plus tard, il va tourner dans le dialogue là, mais nous avons avancé beaucoup plus si tu as une bonne volonté et bonne foi dans ce sens-là. Donc, c'est ça la réalité. Donc, mesdames et messieurs, mais pour qui ça que Clarence Renoir lui-même déclarait que question conseil électoral provisoire ça, sans doute c'est un poisson d'avril en retard que lié parce que PM non, il a choisi de discuter ensemble avec lui diverses fois, il bail rendez-vous mais jamais venu. Ça son habitude que Ariel Henry même. L'autre dit Ariel Henry pour faire conférence de presse. Il dit conférence de presse là à midi, on va venir à 3h. On va venir à 3h parce que PM n'a pas terri à 3h30. Donc, il y a des gens qui ne respectent pas les nations, pas capables de diriger les nations. Si expliquez-moi comment Ariel Henry pral fait diriger le pays d'Haïti si toutefois il ne pas respecter les nations. Donc, question élection, ça, son bobine qu'il y a jusqu'à présent parce que le gouvernement Ariel Henry n'a pas préparé pour organiser l'élection. Le gouvernement Ariel Henry n'a pas préparé, mesdames et messieurs, pour le bail sécurité dans le pays, comment l'élection pour l'organiser. Il y a trois âmes à terre et il n'y a même besoin de distribuer encore. Il y a seulement besoin de bailler l'argent, il y a acheté un groupe armé ça. Dans le pays d'Haïti, selon droit Mounio, organisation yo gagne plus passé 150 groupes gang en dans pays d'Haïti et selon ça conseil des armements te bay gagne plus passé 50 000 armes qui a circulé dans pays d'Haïti plus ça qui rentre nous pas connaît mais est-ce qu'on connaît que normalement mesdames et messieurs États-Unis mandé pour DCPJ à tout gouvernement Ariel Henry pas utiliser cargaison zame l'église épiscopale. Ça sérieux pour parce que gros question qui toujours poser si tout pas bon ici dans taxe 69 qui ça nous fait avec zame que nous prenons dans mes moun yo zame que on prend dans mon bandit est-ce qu'elles sont pièces pour capable montrer conviction ça qui est passé après sa conviction. Là, nous prenons cargaison zam, qui ça nous favel? Nous serrons le côté, nous distribuons qui ça nous favel. Et mes États-Unis, dit-on, pris souple, zam ça ou pas manger, ou pas toucher. Bon, papa Sam, tonton Sam, excusez-moi. C'est si vous avez distribué depuis juillet 2022, mes amis, bagay ça prend gagner l'année. Ou pour en de cargaison zam, nous parlons 10 zam, non? Yo pas fait nous confiance de toute façon parce que me rappelle mon l'argent tout t'a rentré mon yo. Est-ce qu'on connaît États-Unis installé propre service par les dit l'argent ça va venir dans gouvernement Ariel Henry, venir dans mais yo pral dilapider. Yo pral dilapider l'argent si là. Donc tout capable comprendre que son situation qui compliquée dans pays d'Haïti. J'ai t'ai annoncé nous déjà mesdames et messieurs, juge Jean-Wilner Morin
qui dans moment là a fait un travail spectaculaire parce que jusqu'à présent c'est juge qui choisit manier dossier que l'autre pas de vle manier. Et mais juge Jean-Wilner Mouri après que ULCC voyait rapport Bali sous gestion caisse assistance sociale là. Nous gagnons Edwin Toton qui c'est DGCAS. Nous gagnons Pierre Richard Valls qui c'est ex-comptable là. Nous gagnons Yves Rose Alcide qui c'est notamment yon employé CAS qui frappé par yon interdiction de départ. Moun sa yo pa gen droit quitter territoire national. Pour qui ça exactement? M'ral raconte nous. ULCC qui te dressé un rapport côté elle te montré Edwin Toton dans corruption dans CAS. Edwin Toton débarqué de rendre de rarim, il dit Mais ça me pas volé. Ma coupe la fait bout. Pour que ça se boue. Depuis la vie de nos CAS, mais ça me tout bagay a marché correctement. Il y a ce que ma coupe la Et puis va pisser, Gilles. Vous tenez ça me dit ma coupe la On dit vrai. Et bien, on continue à mener l'enquête là. Les rapports arrivent dans mes juges Jean-Wilner Morin. Edwin Toton pa ka kite peyi ya pour corruption. Enrichissement illicite. Pour blanchiment. Pour fraude. Edwin pa ka kite peyi ya. Ou pa ka fè ni femme confiance. Ou pa ka fè ni garçon confiance nan yon peyi. Ki kote exactement bagay sa ou même ya privé. Donc mesdames et messieurs, Edwin agit même genre avec Mag. Ah non, m'a même mettre dans cadre Magaret. On mettel dans cadre Magali habitant. Magali habitant qui doit 39 000 $ américains à l'état haïtien. Là yon relè devant la cour supérieure des comptes li pas aller. Et pas personne qui était capable faire Magali habitant déplacer pour la devant la cour supérieure des comptes pour la répondre une question. Sous gestion SMCRS. Donc maintenant qui pays na vive actuellement là bagayo compliqué. Nan paquet serel. Nan paquet se tête chargé. Nan paquet se ratrap jwenn a cravate avec col et puis veste yo pral travail. Nan paquet mesdames et messieurs c'est des trois tifa trap jwenn mais pa gen avocat qui a fonctionné. Maître Amboise Gayeron. Il dénonce corruption qui a fait tipil gopil en dans la justice pays d'Haïti. Jijo, pa gen anyen, yo pa fè pou l'ajan. Ensemble, entende et suive déclaration Maître Amboise. Dit oui, regardez ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Okay. Le pays, ce pays, mon pays, notre pays, votre pays, il n'y a pas qu'à changer, c'est pas une révolution armée. Et moi, je vous dis ça, messieurs, mesdames. Moi, si je me dis que je me prends un nom, je me fous de saluer le pays, je me fous de prendre le pays, je me fous de payer sur le rail. Et tout le monde vous dit ça, oui. Moi, je me dis si je me dis que je moyen, je me fous de prendre des armes, je me fous de saluer le pays, je me fous de prendre le pouvoir, et puis je me fous de prendre le pays sur le rail. En principe que. En tant que tel, j'ai des clients qui sont en prison. J'ai des clients que je dois défendre. J'ai des clients qui menacent. Mais pour qui ça? Si je suis en collaboration avec greffier, je vais supposer après entrer là, à faire siège en Katimini. Mais pour qui ça vous fait? Ok. Oh, il est trop corrompu. Il est trop vagabond dans le pays. Oh, si vous n'avez pas les moyens pour appliquer la politique pénale, gouvernement, vous avez un problème. Oui. Avec des classes, ça, c'est pas pire qui est un ami. Regardez, sous journaliste, vous attendez ça, ministre de tout. Ministre de la justice, il dit que les territoires perdus, tout pour nous défendre tout. Constitution pour défendre tout. Vous avez fait pas ou pas, vous avez fait une mètre pour défendre tout. Oh, là, on regarde les armes sous le coyote, on va dire alors la police vient d'aider. Oh, vous défendre d'abord. Faut défendre tout avant, après la police va venir défendre tout avant. Ok, c'est vous-même, c'est nous-mêmes, c'est pas haïtien pour qu'ils foutent défendre tout avant. Là, on va essayer de défendre tout, après on va foutre la police. Mais on est crasé, moi-même, je vais foutre mourir à l'âge. Je vais foutre mourir à l'âge. Je vais foutre mourir à l'âge.
Loisville. Je ne fous pas mourir à lâche. Je répète, moi même à Loisville. Je ne fous pas mourir à lâche. Je vais mourir à la main pour me défendre le pays, pour me défendre tête main contre quiconque, contre n'importe qui. Merci beaucoup. Magoui qui a fait un nom. Magoui, non. Il y a un juge là, un greffier qui se doit le tailler. Un méchant fendant. Il y a siégé un fendant. Ça fout fendant là. Nous même en tant qu'avocat, qui ça nous décide? Moi même en tant qu'avocat, je travaille avec mes clients. Et je n'ai pas de chèque l'État non même. Mais chèque moi, c'est client. Or, client m'a fait menace, client m'a souffrance. Mais je suis chargé de ce dossier là. Je n'ai pas de passer dossier, je n'ai pas de problème. C'est parce que pas de commissaire, pas de gouvernement, pas de siège. Il y a fait de politique qui a brassé bilan dans le paquet de presse. Ok, il faut ça résoudre. Greffier a fait grève, commissaire gouvernement a fait grève, commissaire gouvernement qui l'a pour sécuriser pays, qui l'a pour sécuriser population, qui les commissaires gouvernement sont là pour appliquer la politique pénale du gouvernement. Au cas de la poursuite, le commissaire gouvernement a fait grève dans le pays. Mais c'est dans le commissaire gouvernement, c'est eux qui l'a pour aider la société contre banditisme, contre qui ça, contre les drogues, contre abus d'autorité, contre tout bagage. Le commissaire gouvernement a fait grève. Mais à qui ça fout pays ça livré là, monsieur? A qui ça livré? Oh, la game dans la ria. A qui ça fout pays ça fout livré là? Oh, si les commissaires du gouvernement sont là pour appliquer la politique pénale du gouvernement, oh, ils sont en rébellion avec le gouvernement, faut que le gouvernement dise un bagaille. Depuis que le commissaire du gouvernement a fait grève, ils sont en rébellion avec le pouvoir en place. Alors, nous même avons Moi-même, greffier, là, non, là, moi-même, la criminelle. Moi-même, des journalistes, là, c'est pour nous être là, pour nous être greffier, pour essayer de faire un siège correctionnel, un siège civil, pour nous être greffier. Avec qui? Le juge est en train de siéger. Avec qui? Avec le greffier. Est-ce que le greffier, il fait partie de l'association? Même pas foutre d'accord avec ça. Même d'accord avec les revendications des greffiers. Mais après, c'est normal. Si je qualifie ce qui a passé en dehors là maintenant. C'est son mari magouille. Mon mari magouille. Greffe à rendre mes yeux. Même l'avocat va foutre souffrir. Le avocat va souffrir. Oh, la tribune m'a souffert pour greffier. Ou bien, c'est la fermée. Ou bien, il y a un nouveau tribunal pour avocat. Vim plaider, vim défendre le client. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations, maître Amboise. C'est quoi ça, bagaille, a passé soi-disant dans la justice haïtienne. Je me dis, annoncez-nous déjà, PM Ariel Henry lancé et organisé un gros coquin cérémonie à fait pour être capable d'honorer quelques médecins et surtout célébrer Journée mondiale la santé qui était faite depuis 7 avril 2023. Ensemble avec moi, on suit qui j'ai cérémonie ça lui-même, l'étape déroulée. Un agréable devoir que de prendre la parole en cette solennelle cérémonie de célébration de la Journée de la Santé, la Journée mondiale de la santé, autour du thème « La santé pour tous », thème qui m'interpelle particulièrement et triplement. D'abord, en tant que médecin, appelé à soigner, à guérir ou du moins à soulager les maladies. Ensuite, en tant que chirurgien ayant choisi une sous-spécialité, la santé publique, et ayant été considéré pendant des années comme membre de la grande famille de l'OPS. Ensuite, en tant que chef du gouvernement qui doit veiller au respect des engagements pris tant au niveau national qu'au niveau international. L'Organisation mondiale de la santé fête cette année ses 75 ans. En cette circonstance, je tiens à féliciter son directeur général, le directeur régional de l'OPS-OMS, ainsi que la représentante de l'OPS-OMS en Haïti, pour leurs nombreuses réalisations visant à l'avancement de la santé à travers le monde et spécifiquement en Haïti. En effet, en 1948,
les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables afin que chacun, où qu'il habite, puisse jouir du meilleur état de santé et du bien-être possible. L'engagement de cette organisation mondiale en faveur de la santé pour tous est fondé sur la notion démocratique, selon laquelle tous les êtres humains sont égaux. Il est apparu clairement dans la constitution fondatrice de l'organisation en 1948. Cette constitution n'avait pas d'équivalent dans un monde qui se relevait des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce monde s'engageait sur la voie de la transformation pour reconnaître la valeur de chaque vie humaine. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en cette journée solennelle qui met à l'honneur des efforts en matière de santé déployés par notre pays, je tiens à rappeler, dans une toute autre mesure, que pour continuer à améliorer notre système de santé, nous devons nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisé. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs à tous les stades de la vie aident nos concitoyens à rester en bonne santé, à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie et à empêcher que des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça bagaille yoteye et nous tenons discours PM Ariel Henry. Tout de suite, nous prenons un petit coup de pied dans la petite rivière de la Tibonite. Citoyens de la commune de rivière la Tibonite, nous avons grosse difficulté pour carte identification nationale des malogues. Des citoyens qui fait carte dans le bureau ONI de rivière la Tibonite là. Des citoyens qui fait 4 dans bureau ti rivière la Tibonite là qui gagne plus passé yon année yo pas jamais capable joindre 4 yo n'a fò konnen bureau ONI ti rivière la Tibonite là fermé pour insécurité depuis plus passé 8 mois ensemble mesdames et messieurs entendez reportage ensemble avec correspondant petite rivière de la Tibonite nous Venesse Désir. Citoyens et citoyennes qui gagnent l'âge majeur dans la rivière la Tibonite, par contre, qui sont pour y aller depuis plus de 8 mois, bureau ONI dans la commune de la rivière la Tibonite fermé. Dans le premier moment, c'était un problème d'énergie pour alimenter l'appareil, c'est la cause que le bureau n'a pas été fonctionné. Tout de suite, problème de sécurité vient mettre pied à travers la commune. La cause bureau a fermé net. Citoyens et citoyennes qui étaient déjà fait 4 identifications nationales, ils ont déjà dans gros difficulté pour y récupérer 4 là. Youn parmi citoyens et citoyennes, ça y est, t'es parlé avec nous, fait quoi? Li gen 4 li depuis plus passé une année 5 avril 2022 li fait 4 li marché en pile nan bureau ONI ti rivière la Tibonite li paté jam ka jwenn ni les problèmes yo vinn poser li tenter aller nan commune Verret situation a ti paraît compliqué parce que Verret te refusé 4 là existait déjà sous système là nan yo kat électoral que moi fait nan mairie puis 5 avril 2022 j'ai le soir moi pas jwenn ni ni aller me pas joini ah on fait un petit temps me pas aller moi aller encore me pas joini pour m'aider à balancer mairie à tout faire mais moi les mairies tu rivière fermé mal fait le verrette les mauvais verrette verrette d'une carte la fête déjà sous rivière il y a pas de possibilité pour le faire encore sous commune verrette là
que moi aller Wanamet. Citoyen n'a fait quoi? Il était poursuivre pour le tal dans commune Wanamet, les rivières Wanamet, il fait quatre identifications nationales là sans le pas informer qu'elle était fait déjà dans commune Tirivière la Tibonite. C'est là le chercher responsable fait quoi, il fait action pour le prendre prison pour ces quatre là t'ai fait déjà les vient retenter fait encore malgré premier quatre qu'elle était fait à propos livré Wanamet. Le mouvement Wanamet c'est presque ça t'ai qu'à suffire pour te mettre dans prison parce que me fait même pas dit si que me t'ai fait déjà me juste fait les mal chercher mon qui était responsable dit comme ça combien fois on fait 4 ça déjà on fait 4 là déjà et 4 là pas qu'on livré on pas qu'à faire pour et si tu gagne l'état nous t'as supposé arrêter parce que 4 là fait déjà le pas qu'on livré ou venir refaire encore c'est dans mairie rivière pour tourner pour joindre 4 là et mairie a pas jamais ouvrir me besoin 4 là me besoin régler activité on pas qu'à joindre 4 là donc on t'a prémé pour citoyenne là aller plus loin lui mandé responsable bureau ONI dans Tirivière la Tibonite si gain possibilité pour transférer 4 qui disponible déjà dans l'autre bureau ONI qui dans commune qui tout près Tirivière la Tibonite yo on fois qu'à permettre que citoyen et citoyenne yo récupérer 4 qui disponible. Et voilà mesdames et messieurs, toujours dans Tirivière la Tibonite malgré commissaire gouvernement juridiction c'est maclamette Vincent François fait quoi d'informer responsable départemental police nationale dans la Tibonite Zak bandi base grand griffe commettre dans commissariat Tirivière la Tibonite qui c'est une patrimoine et bien national que pays d'Haïti lui-même li connaît jusqu'à présent chef DDA Goodson Roger Jeune pas jamais parler après presque 48 ans bandio fin séquestré et pillé commissariat Petite Rivière de la Tibonite. On continue à suivre reportage ensemble avec Venesse Désir. C'est juridiction Saint-Macla, M. Vincent François fait quoi dans niveau PAL, il fait toute démarche possible, bon côté autorité dans la police pour au moins incident qui arrivait dans le commissariat Tirivière la Tibonite n'a pas arrivé. Selon lui, après le fin gen bon jan information sur incendie à cap pillage qui fait dans niveau commissariat Tirivière la Tibonite là, il pas prend temps pour te contacter directeur départemental police nationale d'Haïti pour au moins pour yo wè ki sa ki yo ka fè nan disposition pour empêcher plus dégâts fait dans commune Tirivière la Tibonite. Voilà. Effectivement, moi été informé de Zak Brigandaï qui fait dans commissariat Tirivière la Tibonite là côté que il est pillé et puis il est incendié. Et tout de suite, moi, pas prendre le temps pour que moi, informé des DDA et communiqué avec elle sous les dispositions que vous avez prendre. Et par rapport à ça qui passe, mais faut dire à l'auditoire là que. Commissaire Vincent François rappelait avec auditoire que. Commissariat Tirivière la Tibonite te fermé depuis 25 janvier après attaque que bandi ont été fait sous policiers qui t'a traversé sous commune Liancou côté 6 là dans yo te perdu la vie yo que on connaît tout que commissariat ça depuis 25 janvier policiers ont été abandonné après drame qui t'est passé sous Liancou là et malgré tout effort que nous fait pour la police t'a reprendre place li. Malheureusement, ça n'a pas jamais été fait. Et qui mettait communément dans une situation d'anarchie. Parce que nous connaissons la police, c'est la seule force qu'il a pour protéger sa vie, il a pour mettre l'ordre. Eh bien, tout le monde a vaqué à l'occupation, les gens ouvrés, tout le monde fait ça ouvré. Et maintenant, c'est une situation d'anarchie, quand il y a l'air que rien de monde qui est contentieux, il est obligé de recourir avec force pour résoudre le problème. Selon le commissaire Vincent François, en commune, tant que commune Tirivière la Tibonite, situation d'anarchie qui a évolué là-dedans, il n'y a pas continuer, il faut que tu aies des dispositions qui prennent pour sauver ça qui a sauvé dans Tirivière la Tibonite. Et qu'une communauté pas qu'à fonctionner comme ça. Les situations, ça tout mettait Tirivière en situation d'enclavement, côté que le business pas presque qu'à fonctionner, nous n'y a pas qu'à sortir avec facilité pour à l'alimenter. Et c'est un examen qui fait la loi. Et sous base ça, nous croyons que les expédients pour que au commandement de police là prennent des dispositions pour
bienvenu pour faire travail qui mérite fait de concert avec partenaire li m'pa connaît et pour la police reprendre le contrôle commune et a noté pour tout le monde que et commissariat selon commissaire Vincent François commissariat Tirivière-la-Tibonite fait partie ensemble des patrimoines commune Tirivière-la-Tibonite connaît selon commissaire c'est un ancien caserne qui vient commissariat et il fait quoi espace ça c'est espace qui fait partie la cour royale selon lui tout citoyen dans commune Tirivière-la-Tibonite ta doit respecter malheureusement incident malheureux ça commettre la donne pas bandi bas gang griffe qui a gozam fan foyo Tirivière-la tirer de son patrimoine parce que c'était ancien caserne c'est ancien caserne et il fait partie la cour royale et nous capable commissariat caserne ça côté de situé et qui côté palais royal là tayé ça veut dire et par rapport avec Fokret Apiroa qui pirou c'est un patrimoine national et je crois que c'était son bâtiment tout le monde est supposé respecter mais malheureusement ça fait plusieurs fois commissariat subi attaque li incendie et moi pensais que gagne disposition qui supposé prendre et cap prendre pour ça on pas recommencer encore et dans communauté a, et puis surtout ça patrimoine ça qui fait et qui fait c'est sens communauté a, qui contribue dans faire communauté à sa communauté a yo ta supposé respecter et puis pour pas attaquer Désir Venesse Tirivière-la-Tibonite c'est décret à Pierrot tout de suite madame et messieurs n'a fait coup de pied dans international Yon gwo lapi tombe nan Floride, Etats-Unis sa ki la cause, gen yon gwo inondasyon nan metropolitaine Miami jeudi 14 avril 2023, fose otorite yo ferme l'ekòl yo epi aéroport international Fort Lauderdale. Fòk nou konnen ke nan mouman ap pale a la, eme aéroport nan li menm li relouvri pòt li. Ankòn yon lòt fwa, apre netwayaj, te fin fèt an dan li. Directeur Banque Centrale là en Slovaquie ak membre nan conseil là nan directeur Banque Centrale Européenne ECB Peter Kazimir coupable nan zafè corruption nan pays d'après sa porte-parole nan tribunal qui prononcé décision ça annoncé Tribunal ça te déclaré 3 avril qui t'est passé ya, monsieur Kazimir coupable nan zafè corruption ak imposé yon amende 100,000 euros toujours d'après porte-parole là Katarina Kadjakova. Norvège annoncé jeudi 13 avril 2023 expulsion 15 employés ambassade la Russie en Oslo que yo considéré comme agent intelligence. Yo déclaré 15 officiers intelligence sa yo indésirable parce que yo a fait activité qui incompatible avec statut diplomatique yo. D'après sa ministre Affaires étrangères norvégien Anniken Huitfeldt lui-même, il déclaré Exécution judiciaire en Iran augmenté à 75% dans l'année 2022. 682 moun mouri planté d'après sa organisation doit moun yo annoncé. Exécuté ici là dénoncé yon machine le mois qui visait pour monter la pérèse dans pays ya. Pour pipiti, 642 exécutions faites dans la République islamique là depuis 2015. Après un total de 333 exécutions dans l'année 2021, d'après sa ONG Iran Douamoun, IHR, qui basé dans Norvège ak ensemble contre pénalité la mort IMPM, mesdames et messieurs, yo même yo annoncé. Corée du Nord lui-même li confirmé que li tiré yon nouveau qualité missile balistique gaz solide nan jeudi 13 avril 2023 sous Japon d'après sa agence nouvelle Corée du Sud lui-même li annoncé ça marqué yon gros progrès technologique ak stratégique pour programme ZAM Pyongyang qui pi estable ak rapide pour préparer missile gaz liquide puis devant mesdames et messieurs et bien français yo contesté décision que Emmanuel Macron lui-même li t'apprend pour être capable de mettre l'âge retraite là à 64 l'année. Français yo pété gros discussion ensemble avec Macron, sorti dans la rue, boule caoutchouc, mettre du feu et puis prendre 4 en l'air. Il a prévendiqué parce que 64 l'année, c'est l'âge qui trop gros pour être capable de prendre retraite yo. Et mes rubriques internationales ça, c'était ensemble avec Adjani Oximable pour TAC 609. Et mes cela mettez bout ensemble avec rubrique nous aujourd'hui. Nous bon rendez-vous pour prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.